C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h sur Télé-Tchad. Tout d'abord, cette information. En séjour à Mdjaras, c'est le chef de l'État Idriss Déby nous a accordé cet après-midi une audience à Madame Marine Le Pen, candidate du Front national à la présidentielle française d'avril 2017. Reportage Mdjiti. Candidate du Front national aux élections présidentielles du 23 avril 2017, Madame Marine Le Pen a réservé sa première sortie africaine au Tchad. Le pays de Toumaï est l'épicentre de la force française de l'opération Barkhane qui regroupe 4000 soldats. C'est de N'Djamena, où est basé l'état-major de la force Barkhane, que des opérations contre les narcotrafiquants sont menées dans 5 pays du Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et bien entendu le Tchad. Venue officiellement à la rencontre des soldats de la force Barkhane, Marine Le Pen a fait le déplacement d'Amdjaras dans le chef-lieu de la région de l'Enedi Est pour rencontrer le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Les échanges ont duré une heure. Nous avons discuté évidemment de la situation du terrorisme qui est un drame pour les pays qui en sont victimes, dont la France, il faut bien le dire. Nous avons bien entendu discuté de la coopération entre le Tchad et la France dans la lutte contre ce terrorisme, la manière dont on doit envisager l'avenir, peut-être, avec notamment le G5 Sahel. Nous avons fait un petit peu le tour de la situation politique des pays voisins et nous avons exprimé, nous avons partagé en quelque sorte les inquiétudes qui étaient les nôtres sur la situation de la Libye. Monsieur le Président et moi-même avions la même analyse au moment de l'intervention française. Nous pensions qu'il s'agissait là d'une très grave erreur qui allait avoir des conséquences lourdes. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc nous avions été, lui en Afrique et moi en Europe, peut-être les plus lucides sur cette situation. Nous avons envisagé de nous revoir. Je souhaite que ce soit dans le cadre d'une visite officielle où peut-être j'inviterai le président Déby à l'Élysée. Ce serait un grand honneur pour moi. Ce 22 mars 2017, Marine Le Pen sera face aux soldats de la force Barkhane à N'Djamena avant de visiter l'hôpital de la mère et de l'enfant. Marine Le Pen, qui défendra les couleurs de l'extrême droite française au scrutin d'avril, est à la tête du Front National depuis 2001. Pour rappel, le Front National a été fondé le 5 octobre 1972.